Bonjour, petite fille. Tu as l'audace de t'aventurer dans le repaire du Grease! Quelle impudence! Quelle effronterie! Quelle toupette culottée! Tu as déclenché le tonnerre! Maintenant, tiens-toi prête pour le boum! Regarde le visage de l'effroi! Bouga bouga! Monsieur Grinch? Bonjour, je m'appelle Cindy Louchou. Tu vois, c'est évident que la terreur est en train de monter en toi. Je n'ai pas peur. Il est normal de crier quand on est face au mal à l'état pur. Je ne crois pas, non. Le doute, c'est encore un signe irréfutable quand on a les chocottes. Maintenant, tu sombres. Prends tes jambes à ton cou avant que je commence à tuer. Je suis un fou dangereux. 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 À mon avis, il serait temps de prendre des vacances. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont anesthésiés par le cinéma et la télévision. Mais tu me crois, alors ? Monsieur Grinch, je suis venu vous inviter officiellement à être notre charivari de Noël. Votre chou qui chou quoi ? Le charivari de Noël. Vous invite cordialement à être notre charive. Elle est bonne. Je sais que vous détestez Noël, mais si ce n'était qu'un malentendu. Mais égal. Entre nous, je ne comprends pas trop cette excitation de Noël. Mais peut-être que si vous faisiez la paix avec les choux et que vous descendiez pour les fêtes... Peut-être que si vous faisiez la paix avec les choux et que vous descendiez pour les fêtes, n'importe quoi. Peut-être que je trouverais ça bien, moi aussi. Navré, la séance est terminée. Veuillez prendre un autre rendez-vous avec ma secrétaire avant de partir. Je vous en prie, vous devez accepter cette récompense. Récompense. Tu n'as jamais parlé de... récompense. Si, avec un trophée et tout ça. Je suis le vainqueur. Le vainqueur. Ce qui veut dire qu'il y a plein de perdants. Oui, c'est ça. Alors, si vous c'est dingue un... Une ville entière pleine de perdants. C'est génial. Il y en avait qui étaient effondrés de chagrin. Eh ben, t'as perdu ta langue, qu'est-ce que t'attends? Donne-moi des détails, des détails. Ben, le maire ne riait pas. Oh, non. Martha May sera présente. Oh, c'est vrai? Et elle va me voir... Oh, vainqueur! Elle va foncer sur moi comme des fanfrelons sur une vieille vache fanfreleuse! Je suis heureux de te décevoir, hein, Martha, ma petite biche! Mais le Grinch Express est parti et tu l'as raté! Alors vous acceptez? Bon, d'accord! Je ne sais pas si c'est tes yeux pétillants de malice ou ton côté non-conformiste qui me fait penser à moi, plus jeune et moins velu. Mais tu m'as convaincu! Va savoir! Cette soubilation pourrait changer ma conception de la vie! Vous croyez? Non. Hmm.